a dit que c'était un chat et qu'il avait très bien vu. Attends, ce n'était pas Akuna qui avait honte de lui parce qu'il disait avoir vu un serpent alors que ce n'était qu'un simple, un petit lapin. Ils ont toujours été comme ça d'ailleurs. Tu sais, je suis presque sûr que cette fois, même s'il voyait un lézard là, il dirait que c'est un serpent, je te jure. Tu as raison, ah, tu oui, as vraiment hein. raison. Mais le truc c'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'il y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Un serpent! Ah, ah mon pied oh. Ah mon pied oh. Non. Je ne peux pas l'accepter. Je ne vais pas le permettre. Je dois prendre ce qui m'appartient de droit. Ouais. Parce que si je ne le fais pas, Orifite, Ariketji nefite. Orifite, Ariketji nefite. Agbana enuguago, agbana enuguago, agbana enuguago, agbana enuguago, agbana enuguago, agbana enuguago, agbana enuguago. Par le pouvoir spirituel dont m'a doté mon feu père, je t'ordonne d'apparaître. Apparaît, agbana enuguago, agbana enuguago. C'est bien. Bienvenue. Je veux t'informer et te rendre plus puissant. Que si tu veux combattre pour moi désormais, tu te transformes en un être humain. Tu prends la forme d'un être humain. Et tu défais tous mes ennemis. Défais mes ennemis. Défais tous mes ennemis. Orifite. Aokwazinefite. Orifite. Azekwakezinefite. Tu réussiras. Oh fils, tu as toujours sur ça? Oh papa, ouais. Tu es de retour? Ouais. Bien, je ne fais qu'essayer mes nouvelles flèches. Pas tu sais, tout. Pour me perfectionner de plus en plus. Tu vois de quoi je parle? Nous disons la même chose. Ah oui, nous oui, c'est un peu ça. Nous ne devons pas manquer de flèches, car une flèche, c'est un ennemi. Je vois, c'est papa. Ça. D'accord. C'est bien. Ok, d'accord. Taille ça bien. Très bien. Ça reste encore. Rends ça pointu. Bien pointu. C'est comme une aiguille. C'est bien. Tu es mon exemple, papa. Tu le devrais. Bien, laisse-moi aller essayer mes nouvelles flèches et voir ce que ça donne. Alors, utilise tes stratégies. Tu sais que je te fais confiance. Ne rate pas ta cible. Non, papa, sois-en sûr. Je te fais confiance. Sois-en sûr, je ne l'oublie pas. Un guerrier très fort. Ouais, tel père, tel fils. Quel est l'objet de cette visite? Je ne vous ai pas impliqué. Hein? Les peuples subissent des morts prématurées et des grands désastres. Pourquoi? Le pourquoi reste toujours un mystère pour nous. Mais il est certain qu'ils sont tués par des serpents surnaturels. Orifite. Arekezinefite. Quelle est la source de cette situation? Quelle en est la source? Ça nous dépasse. Écoutez, allez faire vos enquêtes et revenez à moi. Ne confrontez pas les serpents jusqu'à ce que je vous donne l'ordre. Allez-y.
adikwa kezi nefite. Ori fite adikwa kezi nefite. Oh, Adam, mais amène-moi la nourriture, là, je commence à avoir faim. J'arrive. Ah. Attends, j'arrive. Sauf que tu traînes là-bas. Sois patient, s'il te plaît. Ah. Tu vois, je suis là. Ah, ah. Ouais, mais voilà. Merci infiniment. Va laver tes mains. Lève-toi. Oh. C'est bon. Dépêche-toi. Adane, Adane, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi. Mais quel serpent, hein? Le serpent. Mais où est le serpent, non? Adane, Adane, Adane. Hey, mais quel serpent? Ah, 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 ma jambe, ma jambe. Ah, ma jambe, ma jambe. Un serpent, un serpent. Ah, 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 ah. À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide. Ah. Mon frère! Mais y'a quoi c'est? À l'aide, quelqu'un vient de m'aider! Y'a quoi? Réveille-toi, s'il te plaît! Votre Majesté, il y a un problème, un grand problème dans notre communauté. Tel que je vous parle maintenant, Votre Majesté, ma vie est en danger. Votre Majesté, juste ce matin, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Votre Majesté, quelque chose doit être fait. On doit vraiment faire quelque chose avant qu'il ne soit tard. Ce que je vous demande, Votre Majesté, c'est la sécurité de ma propre vie. Tais-toi! Est-ce Igwe le dieu de notre terre pour sécuriser ta vie? Es-tu le seul dans ce village qui a perdu une femme ou un enfant? Itché, veux-tu dire que tu es content pour les malheurs qui m'est arrivé? Laissez-le parler. Il a raison. Nous devons sécuriser nos vies. Ou sinon, nous mourrons tous comme les autres. Voilà. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher la sécurité auprès du roi. Nous sommes ici pour savoir pourquoi notre peuple est en train d'être tué et terrorisé par le serpent maléfique. Voilà pourquoi nous sommes là. Mes anciens. Igwe. Je ressens vos douleurs. Oui, je les ressens. Je ressens vos douleurs. Madive bakutelo telono. Kalelilite. Je suis votre roi, oui. Mais quand il s'agit d'un problème spirituel, définitivement, je suis frappé d'incapacité parce que je ne suis rien qu'un mortel. Et c'est pourquoi, parce que j'aime mon peuple, hein, je peux tout faire pour rendre mon peuple heureux. Je n'aime pas ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai invité Ezemo. Il sera bientôt ici pour nous dire la solution à ce problème. Ah oui. Enyegereboto, le messager des dieux de nos ancêtres. Le seul et unique. Anyani Diafoso.
Ndiaye Dianeve. Kibi babe walana, bawenu. Ah, Ezemo, tu es le bienvenu. Ongabo, eleneui dobanuoko. Ezemo, tu es le bienvenu. Nous sommes ravis de t'avoir ici. On t'attendait. Ezemo, je veux que les choses soient claires pour toi, parce que je sais que tu sais. Ce qui nous arrive, tu le sais. Magani nanfunizi, nanfunanzizo. Ezemo, que se passe-t-il? Le serpent mystérieux qui mord mon peuple et qui les tue chaque jour. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pourquoi je veux que tu nous... C'est pourquoi je veux que tu demandes au Dieu. Si nous les avons offensés d'une manière ou d'une autre, nous sommes prêts à faire des arrangements. Mon peuple meurt chaque jour. Ouézi, Keliga Yemenia Udiabana, soyez né. Keliga Yemé. Votre Majesté, quand le ciel tombe, les enfants ne vont pas s'amuser dans la cour. Ezemo, tu dis tout en parabole. On ne te comprend pas, hein? Il faut dire ça autrement afin qu'on te comprenne. Tiens, attends. Tiens ma kwani yatanu. Okuni jera, okuni nyurtata. Quand un guerrier insensé est tué dans un combat, il ne doit blâmer ni l'épée ni le bouclier. Il y a de cela longtemps, quand la terre était encore tranquille, il y avait une femme au nom d'Akudia. Et l'un de vos arrière-grands-pères, au nom de Agobi, le deuxième roi de ce royaume. Parle à ton serviteur. La reine doit m'être donnée en sacrifice. Cette saison, je ne vais pas accepter des esclaves comme sacrifice. L'aide de Dieu. Tu ne viens pas souvent au palais pour des courtoisies. Car nos gens disent qu'à chaque fois que l'aide de Dieu vous rend visite, il doit sûrement avoir un message de Dieu pour vous. Igwagujobi. Je suis à ta présence aujourd'hui pour te rappeler que le sacrifice pour Agumiri approche à grands pas. Oh, merci beaucoup pour ce rappel. Je n'ai pas oublié. Et je m'y prépare, sérieusement. C'est ma pensée de chaque jour. Mais aussi, en bref, j'ai tous les articles de sacrifice, y compris les esclaves qu'on doit sacrifier. Iguagujobi, les articles sacrificiels que tu as procurés, aucun n'est demandé, aucun. Non, mais je ne comprends plus rien là. Hormis les articles essentiels pour les sacrifices, de quoi d'autre avons-nous besoin? Iguagujobi, tu ne vas pas comprendre. Agumiri demande un spécial. Spécial? Oui! Tous ces sacrifices sont des choses bien spéciales. Iguagujobi, Agumiri demande qu'un membre de ce clan lui soit sacrifié cette fois-ci. Un membre de ce clan doit être sacrifié. Pourquoi pas d'esclaves? Pourquoi demande-t-elle qu'un membre de ce clan soit sacrifié? Hum.
asema mo wana makamba mawro makakwe blisie nuguku hein no kwa na ra ko nuwro makoti buloda buin boko hm igwe igwe. Personne ne questionne les dieux. L'œil des dieux, s'il te plaît, intercède en notre faveur. Fais en sorte qu'elle change d'avis. Parce que aucune mère ni père ne permettrait que son enfant soit offert aux dieux en sacrifice. Les mortels sont irrésolus, Igwe, car les dieux sont déterminés dans leurs décisions. Ils sont déterminés dans leurs décisions. Leurs décisions sont définitives. Comment allons-nous trouver un homme, un membre de ce clan, que nous allons offrir aux dieux en sacrifice? L'aide des dieux, s'il te plaît, t'a-t-elle dit exactement qui elle veut en sacrifice? Igwe, ta première femme. Quoi? Igwe, le jour du sacrifice approche à grands pas et les articles sacrificiels doivent être en place. Elle doit être produite. J'ai parlé. Igwe, laisse-moi te rappeler. Personne ne s'oppose aux dieux. Personne, même pas toi, ne peut s'opposer aux ordres des dieux. Personne ne s'oppose aux dieux. Tchétché. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a retenu depuis longtemps? Tu as tellement pris du temps. Depuis que je t'attendais, c'était quoi le problème? Je suis désolée, maman. Maman, tu sais, je n'avais pas trouvé les ignames. L'autre m'avait envoyé. Alors j'ai dû aller à la ferme de mon ami à Umunda pour en trouver pour toi. Tu es allée jusqu'où? Umunda. Umugini. Hey! Pourquoi? Qui t'a envoyé là-bas? As-tu oublié que nous sommes dans la saison des kidnappings et qu'on envoie les gens à l'esclavage? Tu vas jusque-là et si tu étais kidnappé?
En fout le monde. N'ose plus faire ça la prochaine fois. Mais maman, il y a... Qui t'a dit que j'étais intéressée par les ignames de zoo? Ça va t'aider à renforcer les calories. T'as dit que j'avais besoin de rajouter des calories? Moi, je te parle de kidnapping, toi, je te parle des calories. Allez, quitte-la. Qui maman, va t'aider le transport? Allez, dégage de ma présence. Tu ne fais pas toujours ce qu'on te demande de faire. Allez, reprends ton adjou. Ah, maman. Quoi? J'avais oublié de te dire. N'as-tu pas entendu la nouvelle qui circule partout dans le village? Quelle nouvelle? N'as-tu donc pas entendu les gens dire que Agoun dénonce la reine comme offrande pour ses festivals annuels? Ferme-la ou sors! Maman, tant que tu n'as pas entendu cela, elle a dit que cette fois-ci, elle ne veut pas des esclaves comme offrande. C'est la reine qu'elle veut. C'est elle qu'elle veut. Mais Cholou, ferme ta bouche! Quelle bêtise! C'est vrai, maman! Tu as toujours quelque chose à raconter. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu risques de me mener des troubles dans cette maison. Maman! Ah, Shana, pars! C'est tout le monde qui en parle. Mais, n'est-ce pas que je t'ai interdit de continuer de parler? Pars! Ta bouche ne reste jamais fermée. Étais-tu allé chercher les énigmes ou avoir les informations des sacrifices? Mais c'est toi de la reine. Va-t'en! Oh, il est mon loulou, il est mon loulou. Aie pitié, les dieux de notre terre. Ego, je ne peux pas faire ça. C'est mauvais. Aïe! Les dieux me frapperont à mort. Je suis supposé faire les choses dans une rectitude irréprochable. L'œil des dieux. Les dieux demeurent les dieux. Et les hommes demeurent les hommes. Alors, je veux que tu complotes avec moi. Que Akudia prenne la place de la reine. Je veux dire, au lieu de sacrifier la reine, que Akudia soit offerte en sacrifice. Que Akudia soit offerte au dieu. Igwe, c'est toi qui dis ceci. Essaie de t'écouter toi-même. Agumiri a demandé la reine et non Akudia. Elle n'a jamais demandé Akudia. Je suis très conscient de cela. Mais je veux que tu complotes avec moi. Ce n'est plus entre toi et les dieux. Mais c'est entre toi et moi maintenant. Garde. Oui, votre majesté. Contient 2000 pièces de monnaie. Et il t'appartiendra si tu fais ce que je t'ai demandé. Et demain, je vais t'offrir un sac de sel. Tu vois, 2000 pièces de monnaie et un sac de sel feront beaucoup de choses pour toi. Iront n'importe où pour toi et pourront faire de toi l'homme le plus riche de ce royaume. Pense-y. Est-ce que les dieux t'ont déjà offert un truc de ce genre? Toute ta vie? Est-ce que les dieux t'ont déjà offert ça? Et donc c'est entre toi et moi. Thank you.
Pourquoi est-ce que les dieux peuvent dire quelque chose et y rester figés? Hein? C'est vraiment étrange. Toutefois, ils sont les dieux. On ne peut pas aussi les interroger. C'est vrai ce que tu dis? Oui. Oui. Tout était mis clair par Ezemo. Il était même venu là où nous habitons. Pour prendre part de la reine et aussi des différentes veuves, Agodia doivent faire un sacrifice. Ma chère, les dieux sont comment? Comment est-ce qu'ils peuvent demander la reine comme sacrifice? Et les hommes vont la remplacer à Agoudé. Ils vont tous recevoir une justice, ma sœur. Hein? Je te dis. D'ailleurs, j'ai des trucs à faire, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai des trucs à faire à la maison. Hein? Je te verrai un peu plus tard. Ok. C'est le moment de ma part, hein? D'accord. D'accord, ma chérie. Merci. Bye bye. Agodia. Miriam Alokuya est le gros sousso. Je suis là pour te dire que demain est le jour. Demain, juste après le chant des coqs, tu seras emmené pour être sacrifié au Dieu. Maman, je t'en prie, lève-toi. Lève-toi, maman. Allez, maman. Arrête. Lève-toi. Thank you.
Laissez-moi tranquille. Je vous en prie, arrêtez. Non. Non. Laissez-la. Laissez-moi. Non. Arrêtez. Je ne peux pas t'accepter, ni encore ta fille. Je n'ai ni demandé à toi, ni à ta fille de venir dans mon royaume. Je ne t'ai pas demandé, ni encore ta fille, pour sacrifice. C'est la reine que je demandais. Diafo, je ne peux pas t'accepter, ni ta fille, comme sacrifice. Mais si tu as subi tout ceci, c'est à cause des hommes. Je vais te récompenser. Toi et ta fille, allez habiter mon royaume. Vous aurez ce royaume. Je dis bien tout ce royaume. Et moi, je partirai pour la gloire, au lieu où je serai loué par les hommes qui sont remplis de la justice. Mon royaume sera le vôtre. C'est ça votre récompense. Et toi, Adoubien, tu dois devenir déesse pour recevoir cette récompense. Quelle sage décision. Igwe. Quelle sage décision. L'aide de Dieu. Igwe. 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 Oh, il me croit quand au coin. Marondo coureti au coin. Et quoi, mais quoi? Igwe. Quand précisément vas-tu apporter le sac de sel? Avant que les coqs ne chantent demain. Je te crois. Ouais. Je te crois. Il faut juste jouer ta part et je jouerai aussi ma part. Mais Igwe, n'oublie pas. Je fais ceci juste à cause de l'argent. Les Corées. Je sais, oui, je sais. J'espère que tu m'as compris. D'accord. Igwe. Oh oui. Igwe. Hey. Hein? Vous que les loups. Ah, tu veux le goût Igwe. Eh, le ventre doit manger. C'est ça. Ah, né, ma soeur, mais qu'est-ce qui arrive à notre village? Je ne comprends plus rien. D'où viennent tous ces morts mystérieuses? Ma soeur, je ne sais pas.
Moi de même, je suis étonnée. Peut-être que les dieux sont en colère. Ils sont en colère contre nous. Qu'avons-nous fait? C'est très étonnant. Allons-nous-en. On y va. Lucia, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les gens meurent. Hein? Il y a un puissant serpent qui veut exterminer le royaume. Il nous terrorise. L'une de mes femmes et l'un de mes enfants sont morts hier. Et ils étaient tués par le même serpent. Les yeux des dieux. Est-ce que ceci nous arrive parce que nous n'avons pas offert aux dieux la personne qu'il fallait? Igwe, ça fait pitié que tu as perdu quelques membres de ta maison. Accepte mes condoléances, mais je dois te dire, ce qui se passe maintenant est un mystère à moi. Je ne sais pas. Je n'ai aucune explication à leur donner. Je n'ai aucune explication. Tu as dit un mystère pour toi que tu ne sais expliquer? Tu es l'aide des dieux. Tu devais savoir la cause de ce problème ainsi que sa solution. Tu dois le découvrir. C'est toi l'aide des dieux. Les dieux sont en colère contre moi. Au fait, ils sont devenus répugnants contre moi. Je te dis ceci maintenant à cause des choses mystérieuses qui m'arrivent. Igwe, si tu veux connaître la cause et la solution aux morts et désastres qui se produisent maintenant, tu dois chercher l'aide auprès d'Obaroku. Ne sommes-nous plus sûrs de nous-mêmes? Ne sommes-nous plus sûrs de nous-mêmes? Pourquoi Obaroku? Hein? Igwe, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu contre ceci, mais tu as refusé de m'écouter. Maintenant, regarde ce que tu as apporté sur le peuple. Igwe, je m'en vais. Tu t'en vas? Juste comme ça? L'œil des dieux, quelque chose doit être fait. Il faut que nous fassions quelque chose. Igwe Agujorobi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Igwe, personne ne peut échapper à la colère des dieux, y compris toi et moi. Prépare-toi. Apprête-toi. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Orekou, je t'ordonne de te montrer. Montre ton visage, je vais voir. La bouche de Obaroku.
Obaloko vous a-t-il dit quelque chose? Même ceux-là qui sont capables de manipuler le vent ne sont pas capables à chaque fois. Le porte-parole d'Obarogo, ce n'est pas le moment de parler en parabole. Est-ce qu'Obarogo t'a révélé la cause et la solution de ce qui nous arrive? Il faut nous parler le langage que nous comprendrons, afin que nous puissions faire un effort pour mettre fin à ce mystère. Oui, effectivement. Nous avons offert un mauvais sacrifice à Agoumé. Non, bouche d'Abaroku. Nous n'avons pas offert la mauvaise personne. Nous avons offert la personne qu'elle a demandé pour le sacrifice. Bien sûr, nous l'avons fait. C'est ce qu'on a fait. Non, pas du tout. Il y avait un complot. Un complot? Et qui peut être derrière ça? Mon cher, je me tais. Agoumé n'a pas accepté l'offre. Elle l'a récompensé pour avoir été tué par les hommes. En complicité de la mère, Akoudou demande qu'elle soit glorifiée comme une déesse auprès de Omoudi Abou, qui est donc la récompense et la solution à ce qui est en train d'arriver. Onouaka, arrête un peu tes proverbes là. Dis-le-nous directement. Qui donc aurait été la bonne personne pour ce sacrifice? Nous voulons savoir. Voilà la question. Qui a besoin d'une réponse? C'est ça. C'est ça même. La première femme du roi. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? On s'est guidé. Allons, mais. Et le roi doit confesser auprès de nous pourquoi et comment il a conspiré pour remplacer la reine qui devrait être sacrifiée par Akoudia. J'ai parlé. Cette histoire me dépasse complètement. Hein? Oh. Je t'avais dit que quelque chose s'était passé. Eh oui. C'est comme ça que ça s'était passé. Akoudia est de retour à nouveau. Ezemo, tout ceci a l'air d'une fable. Oui,
Je te jure, je ne dis pas que les dieux ne te parlent plus. Ils te parlent. Mais ceci ne doit... Ça ne devrait pas être comme ça. Maintenant, 4 ou 5 rois ont régné avant moi. Et aucune chose pareille ne s'est passée quand ils régnaient. Ils n'ont jamais vécu une telle calamité. Maintenant, pourquoi ce serait pendant mon règne? Et tu as dit que ceci s'est passé il y a des siècles de cela. Pourquoi ce serait pendant mon règne? Non, ça ne doit pas être comme ça. Quel est mon crime? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Dites-moi ce que j'ai fait pour que cela se produise pendant mon règne. Aïe, non. Mon roi, vous n'avez peut-être pas compris toute l'histoire. Ça s'est produit il y a très longtemps. Plusieurs centaines d'années passées. Les dieux de ces royaumes, Obaoku, Unoja et Oduma, avaient mené une guerre contre elle. Et l'avait séquestrée dans une cage. C'était sa demeure. Et Amuma, le dieu de la justice, l'a libérée pour qu'elle continue de se battre pour ce qu'elle demandait auprès des gens une centaine d'années passées. Aisément, qu'est-ce qu'elle veut précisément maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'elle soit adorée comme un dieu. Elle veut être le seul dieu des Umudouagou. La bouche autorisée de Obaroko. Tu sais bien que cela n'est pas possible. Parce que nous avons déjà des dieux qui nous adorons et à qui on offre des sacrifices. Les dieux qui nous ont été légués par nos ancêtres. Ça veut dire que nos ancêtres ont commencé d'abord par les servir. Mais ce n'est pas possible qu'on serve ces dieux-là. Car si nous les servons, cela ne va-t-il pas nous amener la condamnation? Hein? Les dieux ont leur propre façon de gérer ce genre de problèmes. Et moi, je vous ai dit ce qui était caché derrière ces malheurs. Ndiche. Donc, cette situation a fait tout le monde dans ce royaume. Bien sûr, je suis le roi. Mais je dois être sage dans la prise de mes décisions. Donc, nous allons nous asseoir et décider de ce que nous allons faire. Aisément. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ce que je pense qu'on devrait faire. Hein? Non, prends un peu. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer la soupe. C'est très bien fait. Oumani Amaka. Oh, laisse tomber. Écoute-moi d'abord. Crois-moi. Hein? Tu vas aimer ça. Papa. Ada Kone. Oyolonia. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne le sais peut-être pas. Tu es la plus belle princesse dans ce monde. Je te le dis. Même les stars. Leur beauté ne peut être comparée à la tienne. Papa, arrête ça. Et tu sais une autre chose? Ton personnage est aussi bon que toi. Papa, merci beaucoup. Papa, maman peut se fâcher parce que tu m'adores beaucoup comme ça. Ta mère était comme ça quand je l'ai épousée. C'est vrai? Oui. Tu veux dire que j'ai changé? Je suis belle. D'ailleurs, je suis plus belle qu'elle. Oh, bah. Non. Mon fils, Ogini. Quoi? Parle-moi. Maman, la mort en a après moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches? Et où sont tes gardes? Papa, mes gardes sont tous morts. Morts?
Qu'est-ce qui les a tués? Le serpent. Le serpent maléfique nous a attaqués en allant vers le puits. Et il a tué tous mes gardes. Et il a commencé à me poursuivre. Il m'avait même presque mordu à la jambe. Voilà, j'ai couru. Mon roi, s'il te plaît, fais quelque chose. Je ne veux rien de mal arriver à mon fils. Lève-toi et amène-le à l'intérieur. S'il te plaît, à toi d'agir pour que rien de mal n'arrive à mes enfants. Je dis lève-toi et amène-le à l'intérieur. Et passe au fier sur ce pied. Ok. Je t'ai averti. Je t'ai averti de ne pas sortir. Hein? Tu vois où tu en es arrivé? Tu ne fais qu'à ta tête. Tu n'écoutes jamais. Tu ferais mieux de te forcer. Désolé, mon frère, ça ira. Ferme! Ferme-la! Abange Ibinye like me bube Makokpo tunkpo inasam Wensi Wena tulu ginzo Ano makukwa lu ginzo Ibinye Ibinye Koko na wokba jokbolu O inasam Arominye Arominye Arominie, cae troallo, cae troallo. Arominie. Odogo, abu agba kebo, agba aza kebo. Dalo, aro. Tu habiteras dans mon palais pour l'intérim, afin de protéger et fortifier mon fils. Makano keke wani de kwan chinja. Ojo bubwa ou de resigo mkwa ho. Na wou dogo. Na wou ekwa mwa anole. Hein? Mko tia golocho. Non? Ah non, désolé. Aïe. Papa. Ouais. Tenez retour. Désolé, mon fils. Mon roi, je te cherchais. Ta nourriture est déjà prête. Oh, je suis désolé, j'étais sorti. Mon fils, ça va? Je tiens le coup, maman. Dis-moi, comment va le pied? Ça va grâce au Dieu, papa. Merci au Dieu. Papa, je n'ai encore jamais vu ce visage-là. Les filles. Oui, votre majesté. Vous pouvez toutes partir. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous pouvez partir. D'accord. Veuillez m'excuser. Désormais, il sera ton garde personnel. Ce garçon,
mon garde personnel. Je ne pense pas que ce jeune homme sera en mesure d'assumer cette tâche. Il n'a pas l'air habile et je ne crois pas qu'il saura être placé à la sécurité pour quelqu'un d'autre. Il est bien au-delà de ce que vous pensez. Papa, ce que tu essaies de cacher en échappant à la réalité, c'est que je ne crois pas que je serai en sécurité seulement avec ce garçon-là. Tu seras en sécurité avec lui. Avec lui seul. Il est plus que 1 000 000 de combattants mis ensemble. Quoi? Papa, désolé pour ce que je veux dire. Donc ce garçon, je ne sais pas si tu comprends ce que tu dis. Quelqu'un qui est habillé comme un fou, avec une pierre dans ses mains, et tu nous dis que c'est lui qui va protéger ce palais, donc il sera ici avec nous. Ça m'étonne. Tu feras mieux de contrôler ta langue. Ifa Goudidi, le Dialambo. Fils, je t'ordonne de le respecter. Ok? Il n'est pas un garde ordinaire ou un petit garçon comme vous le pensez. Fils, tu ne penses pas qu'il est temps que tu te trouves à une femme? Papa, tu as raison. J'ai rencontré une fille il y a quelque temps de cela. Mais quand j'ai voulu la regarder une seconde fois, je ne l'ai plus jamais revue. Elle était tellement belle et brillante qu'il n'y a qu'elle que je choisirais pour épouse. Ah, et tu as réussi à la retrouver? Non, pas du tout. Mais je crois pouvoir la chercher à nouveau. Bien. Mais tu sais, papa... Ikembowanem. Ah, ok. Ikembowanem bisye. Oncle Izume. Oncle Izume. Oncle Izume. Oncle, soyez le bienvenu. Oncle. Tu as grandi. Tu es devenu maintenant mature. Au fait, je t'ai apporté ce beau cadeau. Ouais. Merci, oncle. Vraiment sculpté avec amour. Oncle, laissez-moi vous jouer ceci. Non, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Siffle ça un jour spécial dans ta vie. Ouais, pas aujourd'hui. Je ferai comme ça vous plaît. D'accord, merci. Merci. Ikemba. Tu visites rarement. Ouais, je ne visite pas n'importe comment. Ça doit être pour une raison spéciale. Ouais, je veux avoir une intimité avec toi. Puis-je te parler en privé? Oh, ok, si c'est le cas, je vais me mettre en chemin, d'accord? Oh, c'est bien, c'est bien. N'oublie pas, ne le sylve pas aujourd'hui. Pas de soucis, cher oncle. Mon frère. Je suis à toi. Je t'écoute. Ouais, c'est bien. J'espère que tu as maintenant réalisé que le chemin ne doit pas être tracé par toi seul comme l'a prédit notre feu père. Ce n'est pas moi, mais le pouvoir du trône. Pourquoi ce pouvoir du trône n'est pas en mesure d'écraser le serpent invisible qui terrorise toujours ce royaume, réduisant tous tes sujets en poussière? Pourquoi? Ça a l'air d'être un mystère, ouais. Ça doit être un mystère à un trône sauvage qu'Abroquette a amélioré. Amélioré. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Quand je vais revenir, tu sauras ce que je suis en train de dire. Mais pour le moment, frère, bye. 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 Sors de mon palais. Pou 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 pou
Par le pouvoir spirituel dont m'a doté mon feu père, je t'ordonne d'apparaître. Apparaît, apparaît. Aguana, Enuguago. Aguana, Enuguago. C'est bien. Bienvenue. Je veux t'informer et te rendre plus puissant. Que si tu veux combattre pour moi désormais, tu te transformes en un être humain. Tu prends la forme d'un être humain et tu défais tous mes ennemis. Défais mes ennemis. Défais tous mes ennemis. Horrifite. Aokwazinefite. Horrifite. Azekwa kezinefite. Tu réussiras. Tu réussiras. Mon prince, ça fait longtemps que nous attendons ici. Et depuis là, je promène mes regards. Et pourtant, personne n'arrive. Mon cher, garde tes yeux bien ouverts jusqu'à ce que tu vois quelqu'un, ok? Mon prince, je ne voudrais pas t'offenser. Mais si je peux demander, qui attendons-nous au juste? Et puis-je savoir ce que cela veut dire, hein? Je suis désolé, mon prince. Je voulais juste savoir. Bien, tu sais, c'est le même endroit où j'ai vu la fille dont j'ai parlé à mon père, ok? Et j'espère juste pouvoir la revoir. Je le crois aussi, mon prince. Aluka, Aluka, regarde. Allez, suivons-la pour voir où elle habite. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Prince. Un mauvais esprit, non. Bonjour. Es-tu perdu ou quelque chose? J'étais sur les traces d'une fille et là je l'ai perdue. Je crois qu'elle est entrée dans votre parcelle. Personne n'est venu dans cette parcelle. Mon mari et moi, nous sommes les seules personnes qui vivent dans cette parcelle. Moi. Exactement. Mais où étais-tu? Juste derrière toi, mon prince. Est-ce que par hasard vous avez besoin de notre aide? Non. Merci quand même. Je pense qu'on devrait partir maintenant. Merci beaucoup. Allô, allons-nous-en. Chanteuse à l'époque. Laisse-moi chanter pour toi. Ok. Mon prince. Quelle merveilleuse voix. Papa, ce garçon que tu m'as amené pour être mon garde personnel est têtu. Il est vraiment têtu. Je ne peux vraiment plus le tolérer. Quel est le problème? Je lui ai ordonné
de me protéger et de me défendre. Avec un sort ou je ne sais pas quoi. Pas avec cette pierre qu'il transporte entre ses mains. Mais il a refusé. Supposons que je suis attaqué par des ennemis. Est-ce vraiment avec cette pierre-là qu'il va me protéger? Je ne crois pas. Mais tu m'avais pourtant dit qu'il vaut plus que 100 guerriers réunis, papa. Fils, je vais te poser cette question. Est-ce qu'on apprend à un forgeron comment fabriquer une épée? Est-ce qu'on le fait? Papa, tu as l'air de faire très confiance en ce garçon. Oui, j'ai tellement confiance en lui. Parce que je sais ce qu'il peut faire. Et je t'en prie, mon fils, ne le mets pas en colère. Ne le fais pas. Parce que si tu le fais et il prend une quelconque action, je suis désolé, je vais le soutenir. Papa. Quoi? Avec l'épée ou sans l'épée, permets-lui de s'acquitter des tâches que je lui ai confiées. Et vos dogodiwe die bube. Wedile wedike dianime. Ivo dogodiwe die me die le dike dianime. Jegedia. Tu l'as entendu, mon frère. Laisse-moi continuer ma chanson. À l'aide, j'ai mal. Mon pied. Au secours. À l'aide. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mal. Mon pied. Toi, attends, toi? Mais je n'ai pas arrêté de te chercher dans tout ce village. Doucement. Doucement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Allez, calme-toi. Désolé. Je suis vraiment désolé pour ça, ok? Calme-toi. Un serpent. Lève-toi, laisse-toi. Allons-nous en vite, 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 vite. A refait quelque chose, non? Lève-toi. Ils sont là pour moi. Tu dois t'en aller avec elle immédiatement. Non, mais et toi alors? Je ne peux pas partir sans... Prince, fais ce que je te dis. Partez maintenant. Partez. Qu'aviez-vous fait? Il s'en est sorti sans aucune égratignure. Ada, nous avons fait de notre mieux. Quoi? Nous avons fait de notre mieux. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il se prosterne devant nous. Mais nous n'avons pas pu le vaincre. Ce garçon est très puissant. Il a une puissance que je n'ai jamais rencontrée avant. Il n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Il est de loin plus que ça.
N'est-ce pas? Non, rien. Ne vous inquiétez pas. C'est rien que le début. Mon fils, tu es de retour avec une fille qu'on ne connaît pas du tout. Et je connais mon fils. Tu n'as jamais fait une chose pareille. Qui est-elle? Les animés parlent, non? Allez, tais-toi. Papa, c'est la même fille dont je t'ai parlé l'autre fois. Oh, tu l'as finalement rencontrée? Oui, papa. Ezeni, qu'est-ce que tu attends d'autre? Amène-la ici. Arrow, appelle-la pour moi, je te prie. D'accord, mon prince. Maman, tu ne la connais même pas et tu es prête pour qu'elle se marie à mon frère. Adanéa, aurais-tu à avoir la même réaction si tu étais à sa place? Je ne pense pas. Bonjour, ma reine. Quel est ton nom? Mon nom est Ada. Et qui sont tes parents? Excuse-moi, mon prince. Nous vivons à Umudurako. Ah, j'aimerais rencontrer tes parents. Oui. Oh, d'accord, mon roi. Arrow, n'avons-nous pas déjà été ici une fois? Oui, mon prince. Arrow. Mon prince, ils sont là. Toi encore? Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que oui. Tu as déjà été ici une fois. Oui. C'est le prince d'Umudurako. Oh, sois le bienvenu. Notre prince. Mon prince. Prenez place. Tu peux t'asseoir. Non. Je ne suis pas là pour m'asseoir. Mais merci quand même. Merci beaucoup. Ok. Mon prince, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Nous vous avons menti la fois dernière. C'était juste une façon pour nous de protéger notre fille. C'est exact. Ce n'est pas grave. Cela ne me dérange absolument pas. Ok, mon prince, laissez-moi vous apporter de l'eau à boire. Ça sera très gentil de ta part. Mon mari, okay. Viens, je vais te montrer quelque chose. Mon cher, je crois qu'il m'aime bien déjà, hein. Mais le truc, c'est que... il ne nous reste simplement plus qu'à... Mon prince. Oh! Mon cher, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolé, mon prince. Je vous avais dit, il est très puissant. Tu l'avais dit, Nai. Tu ferais mieux d'être très prudent la prochaine fois. Pardonne-moi, mon prince. Ce n'est pas grave. Thank you.
Tu ne peux plus m'échapper cette fois. Tu n'iras nulle part. C'est bon. Mon prince. Chérie. Je suis impatiente de me marier avec toi. Ah, moi non plus, chérie. Tu sais quoi? Quoi? À chaque fois que je ferme mes yeux, je vois les drômeurs jouer au drôme. Et les danseurs danser. Je nous vois tous les deux au beau milieu des villageois. Et je vois nos parents en train de nous bénir. Et je nous vois officiellement mariés femmes. Waouh! Écoute, je veux que tu saches que tout ceci doit devenir une réalité. T'es sûr? Et j'en suis sûr. Attends, je vais t'avoir. Attends. Je ne vais pas vraiment courir. Tu sais ce qui s'est passé, non? Quoi? Allez, viens, je vais te dire un truc, viens. Écoute, je veux qu'on s'en aille pour échapper à ce Kirikou là. Tu veux qu'on prenne ce chemin-là ou celui-ci? Par là. Celui-là? Parfait. Je vous remercie d'avoir honoré notre invitation. Oh, merci, Igwe. J'ai décidé de vous appeler et vous interroger sur vos intentions à l'égard de mes plans. Oui. Pour que mon fils, le prince, vous savez, épouse votre fille. Donc, je veux savoir. Moi, je nourris Kaya, Manozu. C'est bon, Igwe. Nous soutenons cette idée, n'est-ce pas, ma femme? Sinon, c'est tout ce que j'attendais de vous. C'est formidable. Bien, donc, vous devriez nous attendre. Pour la dot. Oui. Nous viendrons. Hein? Je suis très heureux. Oui. Achalou, moi. L'eau. Nous viendrons bientôt chez vous. Ok, pas de problème. Regarde-moi son sourire. Je te dis, c'est celle qu'il nous faut pour notre fille. Bien. Seule la substance liquide qui se trouve dans cette calebasse peut guérir une victime. Maintenant, nous avons une solution. Dès que vous entendez le son de la flûte, vous sortez pour la guerre. Est-ce que c'est clair? Ichenana, où est ton sceptre? Mon sceptre? Franchement, j'ai beaucoup bu. Ichenana, donc tu as même oublié ton sceptre là. Et que ferais-je avec ce sceptre ici là? Tu vois, cette cérémonie était vraiment magnifique. As-tu vu comment le vin coulait comme dans une rivière? Il y avait plein à manger, beaucoup de boissons. En tout cas, il y avait tout. Oh oui, franchement. Et surtout la compétition de lutte créée à cette occasion. Oh, c'était la compétition une réussite complète. J'aurais souhaité que le mariage de ma fille soit ainsi. As-tu vu comment ils ont exhibé des danses? Et les batteurs de drum ont vraiment fait leur travail. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé le discours du roi. Un discours digne très de la sage, cérémonie. Très vraiment. Profond même. Compte énormément. Hein? Tu es le prince héritier. Merci, c'est pourquoi papa. Je continue à prendre soin de toi, à te soutenir, afin et que... Nous voici. Ikemba. Ezena.
Je suis venu pour te révéler ce qui s'était passé entre ton père et moi il y a des années. Je ne vais pas trop parler. Je vais le démontrer. Mon frère, tu te souviens de ceci? Arrête de me regarder. Regarde plutôt ceci. Peux-tu t'en souvenir? Oui, je peux. Bien. Je le connais. Notre père te l'a donné comme un moyen pour protéger ton héritage dans la vallée. Ouais, notre père me l'a donné en tant qu'héritier prétendant au trône. Mais la deuxième femme, ta mère, l'a manipulée à me renvoyer du trône quand j'étais le grand frère. N'est-ce pas ça? Papa, de quoi est-ce qu'il parle? Fils, reste en dehors de ceci. Dis-lui la vérité et arrête de tromper le peuple. Ouais, dis-lui la vérité. Ikemba, que veux-tu? Ce que je veux est très simple. Ce que je veux, c'est... Ah non! Garde! Garde! Oh bien du goût, Wakamu! Votre Majesté! Je me poignarde! Majesté! Doucement. Tu m'as l'air d'être très satisfaite avec tout ce qui se passe. Mon prince, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Mais c'est pourtant écrit sur ton visage. J'ai eu à remarquer ton insouciance au sujet de la maladie de mon père. Tu devrais normalement être sanctionné pour cet acte. Je t'ai entendu, mon prince. Tu as raison dans tout ce que tu viens de dire. C'est juste que je ne sais comment montrer ma sympathie ou soit mon affection. Tu sais que c'est pas dans ma nature. Écoute, tu es une femme. Tu dois essayer. Okay. Je vais essayer. Bien, allons-y. Apom na maya na ma. Apom na njaya na njo. Ojima mo ku gaba mo ku. Ojima mi jenguro. Apo kan gata bilo esi na sesin sinji ona ma tuzire ya ma bile. Ejo fa ya na. Pourquoi ne récupère-t-il toujours pas Lien, celle que la vieille femme lui avait remis? C'était pas un sel ordinaire. Ce sel était déjà envoûté. C'était rempli d'un poison très très mystérieux. Et c'est toujours la même substance qui peut très bien le guérir. Es-tu en train de dire que mon père va mourir? J'ai dit que c'est la même substance qui peut bien le guérir. Qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse? Je ne peux pas regarder mon père mourir comme ça. Si seulement il ne boit pas cette substance, il va mourir. Où et comment peut-on trouver cette substance? Pour être honnête, c'est derrière Umanu. Ça peut aussi être trouvé sous la terre des Emoata. Je suis une guérisseuse et non une devineresse. Alors je ne peux pas dire où et comment les trouver. Ça veut dire que rien ne peut être fait? Non, mon prince. On peut faire quelque chose. Sauve ma vie, Haro. Haro, sauve ma vie. Haro, je t'en supplie. Oui, votre majesté. Père, ne t'en fais pas. Tu vas guérir. Je suis là pour ce pot. Thank you.
t'inquiète. Ça va aller. Papa, désolée. Papa, comment va-t-il? Ça va. Je crois que ça va aller. Ne t'en fais pas, il ira mieux. Maman? Bien, comment est-ce qu'il va, dis-moi? Pas si mieux. Allô? Mon prince, donne ceci à ton père à boire. Va-t-il guérir après avoir bu ceci? Peut-être, mon prince. Ok. Père, fais un effort de t'élever. Lève-toi. Lève-toi. Bien doucement. Ça a marché. Hey. Ça a marché. Hey. Hey. Ouvre tes yeux. Hey. Ça a marché. Papa, on pensait qu'on avait déjà perdu. Oh. Wow. Oh mon Dieu, papa. Aro, merci. Merci. Ah. Aro. Merci. Papa. Hein? Papa, tu vas bien? Je vais bien. Waouh. Es-tu sûr? Oui, papa, je suis en forme. As-tu besoin de quelque chose? Je vais bien. Tu veux de l'eau? Je suis en forme. Je n'ai besoin de rien. Maman. Oh, merci, oh Dieu. Maman. Merci, papa va bien. Oh. Hey. Papa. Je suis bien. Hey. Papa. C'est bleu, Dalo. Hey. Hey. Roi. Papa. Je suis bien en forme maintenant. Que voulait dire ce geste-là, hein, dis-moi? De quoi veux-tu parler, mon prince? La façon dont tu fixais Aro. Oh, mon prince, il n'y a rien. C'est juste que son courage et son dévouement m'a abasourdi. Oui. Ok, c'est d'accord. Je me disais seulement qu'il fallait que je te le demande. Ah non, c'est pas ça. C'est vrai. Je remercie beaucoup le Dieu pour avoir ramené le roi en vie. Je suis très heureux, moi aussi. Pourquoi n'allons-nous pas nous promener dans le village? Oh, partons dans ce cas. D'accord. Est-ce que je peux avoir un compromis sur l'offre que je t'ai faite? Je ne suis pas venu pour compromettre. Plus précisément quand le compromis a à faire avec les femmes. Je peux voir que tu es prête à tout. Je te demande de te mettre à côté et de me laisser faire mon chemin. Je ne t'empêche pas de faire quoi que ce soit. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal au prince. Ça, c'est tout. Ça semblait vraiment intéressant. Dans ce cas, tu seras le premier à croupir. Je ne suis même pas ému par tes mots. D'accord, on verra qui aura les derniers mots. J'attends. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je suis impatiente d'être officiellement ta femme. Je suis impatiente de commencer une nouvelle vie avec toi. Du genre, être ensemble pour toujours. J'en peux plus. J'ai envie de me réveiller tout le jour avec toi à mes côtés. Écoute-moi, ma princesse. Tu as tout à fait raison. Marions-nous, ma princesse. Je veux juste faire de toi ma femme, dormir avec toi sur le même lit, me réveiller avec toi et regarder le lever du soleil avec toi le matin. J'en suis vraiment impatiente. Tu m'as l'air bien impatiente, toi. Laisse-moi te dire une chose. Quoi donc? Sais-tu que tu es beau? Et tu es aussi très belle. T'es sérieux? Allez. attends un peu un instant. Tu veux me dire que tu n'as jamais eu le temps de te regarder dans un miroir juste un instant pour voir à quoi tu ressembles? Ma princesse. Tu es mon prince. Bien, je voulais te demander... Où veux-tu qu'on aille maintenant, hein? Tu sais, lui là-bas. En tout cas, je ne veux pas qu'on aille où que ce soit. Ma belle, faisons vite avant que la reine mère ne vienne se plaindre.
T'as raison, nous devons nous dépêcher. Désolée, je le fais aussi très bien. Désolée, tu veux dire celle-ci? Ah oui, t'as raison, elle va beaucoup l'apprécier. Oui. Ok. Tu veux dire celui-ci? Oh, si la reine le met, elle va beaucoup l'apprécier, je te dis. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous essayons. Papa, tu dois faire quelque chose. Nous avons perdu beaucoup de gardes dans juste quelques heures. Oui, ma fille. J'ai vraiment besoin d'agir. Nya Kalia. Mon roi, donne à Koudié ce qu'il demande pour faire passer cette calamité. Ce n'est pas à Koudié. Ce n'est pas à Koudié. Ça ne peut pas être à Koudié. Je t'ai entendu dire que la divinité avait dit que c'est à Koudié. Je ne crois pas au devin. Je ne crois pas au devin. Ce n'est pas à Koudié. C'est mon frère Ikemba qui manigance tout ceci contre mon peuple. C'est mon frère Ikemba qui terrorise cette communauté. C'est lui le serpent. Il est le serpent. Mon roi, sais-tu que la plupart de nos servantes sont mortes? Je inclut sais. Le chef de servante de nos filles. Allô, Melo. Allô, Emé. Hey! Owelo Manya Moué Folotem. Garde! Oui, Majesté. Je veux que tu ailles. Je veux que tu ailles chercher les autres gardes. Et aller directement chez Ikemba, mon frère. Je veux que vous l'emmenez ici tout de suite. Bien reçu, Majesté. Oui, je vais le faire. S'offrir. Il sera privé de voir le soleil. Haro, penses-tu que ce serpent est dans ce palais? Ma princesse, en réalité, le serpent est parmi nous. Quoi? Parmi nous? Emmenez-le dans la cellule et enfermez-le. Oui, Majesté. Je vais laisser faire pour une cause inconnue. Ce n'est pas par ta force, mais je te promets, Rory Vitesso les verra te combattre. Allez-y avec. Pas de problème. Pas de problème. Papa. Rory Vitekari Kenya. Comment sais-tu que c'est lui? C'est lui. Oui. Peut-être, tu ne sais pas que je ne somnole ni ne dors. Pourquoi tu te tiens sur notre chemin? Pourquoi tu m'empêches, moi et ma fille, d'atteindre notre destination? Je ne vais pas te battre. Mais si tu me pousses jusqu'à ma limite, je vais t'attaquer, Haro. Quitte de mon chemin, Haro. Va-t'en! Thank you.
Bonjour, mon roi. Bonjour, maman. Salut, mon prince. Et Zénia, pourquoi tu as le visage fermé, Ogini? Fils, tu as l'air inquiet. Je pense que tout va bien. Papa, je ne retrouve pas ma femme. Ah. Quoi? Tu veux dire que vous n'avez pas passé nuit tous deux ensemble? Maman, nous avons dormi ensemble. Je me suis réveillé ce matin, je n'arrive pas à la trouver. J'ai cherché dans tous les coins et recoins de cette parcelle. Toujours rien jusqu'à présent. J'ai ce pressentiment qu'elle n'a même pas passé la nuit avec moi, maman. Elle doit être dans le rang des ennemis. Ouais. Aro! Aro! Mon roi, vous m'avez appelé. La femme de mon fils a disparu. Et je veux que tu ailles à sa recherche. Trouve-la pour moi. D'accord, mon roi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? On aurait tout vu dans ce palais. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore, hein, Oloma? Avez-vous entendu que la femme du prince est perdue? Donc c'est ça? Ça, on le sait déjà. C'est une nouvelle. C'est connu de tous. Ok. Si vous êtes au courant de ça, êtes-vous aussi au courant que ce n'est pas seulement qu'elle est perdue? Oui, oh, elle a fui avec son amoureux la nuit dernière. En effet, elle est dans la maison de son amoureux. Oloma, Oloma, ne nous compte pas dans tes bêtises. Ne nous mets pas dans le pétrin. Laisse-moi partir d'ici. Mais c'est quoi ton problème, jeune fille? C'est quoi ton problème? Occupe-toi de tes affaires. Écoute, veille sur ta langue dans ces palais. Contrôle ce que tu dis avant que tu ne t'attires d'ennui. Tu dois faire très attention à ce que tu dis. Laisse-moi m'en aller d'ici, pardon. Oui, tu es toujours là, hein? Ok? C'est ton problème. Bien, si vous voulez, vous pouvez refuser. Mais quant à moi, je parlerai toujours de la vérité. Je le dirai toujours. Tu es très chanceuse que j'ai retiré mon verdict contre toi. Mais je te préviens pour la dernière fois. La prochaine fois que tu m'attaques encore, je ne considérerai aucun plaidoyer fait en ton nom. Ezembia, s'il te plaît, calme-toi. Ah! Judy, prends tes aises. Elle sera sûrement retrouvée.
Mon roi, Ada est de retour. Hein? Elle est de retour. La voilà. Mon prince. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, mon prince, c'était une expérience inexplicable. C'est tu bon, vas c'est bien? Bon. Calmez-vous oui. Alors. Entrez d'accord, dans votre allez, soir. Viens. Ça ira. Entrez. Hein? Oncle, que veux-tu exactement, mon oncle? Que veux-tu que je te donne, mon oncle, pour arrêter avec ce que tu fais? Dis-le-moi et je te le donnerai, si cela peut faire en sorte que tu arrêtes de tuer et de terroriser le peuple. Ozo, non, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de raconter. Rien du tout. Bien sûr, vous savez de quoi je parle, mon oncle. Tu te changes en serpent pour tuer et terroriser mon peuple. Et tout ça juste parce que tu veux occuper un trône que tu réclames être le tien. Je ne suis pas juste en train de réclamer. Je suis l'héritier prétendant au trône. C'est mieux que tu ailles chercher la source des calamités dans le palais au lieu de rester ici et m'accuser. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas souiller ma main. Tu ne peux pas souiller ma main dans ce cas. Non. Oncle, vous prenez la mauvaise décision. Ceci n'est pas la meilleure façon de pouvoir récupérer ce qui t'appartient. Ezona, laisse-moi te dire. Soit tu vas creuser pour découvrir la vérité ou tu laisses. Tu peux laisser. Mais je préviens. Orifite, gari quoi, quasi n'invité. Bien, au moins, j'ai été clair. Je m'en vais d'ici. Merci. Mais attendons pour voir. Irerema. Moi. Orifite, garikwa, kese, nefite. Garde! 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 Attrapez les sons en train de s'enfuir! Vite, vite, vite! Aro! Aro, tu devrais aller avec eux aussi! Je suis désolé, mon prince. Je n'ai rien à faire avec les mortels, mais les immortels. Et que veux-tu dire par là? Peut-être ton père t'expliquera ce que je dis. Que se passe-t-il ici? Papa, Ikemba s'est échappé. J'ai demandé aux gardes de le poursuivre actuellement. Quoi? Échappé? Échappé comment? Comment s'est-il échappé? Je ne sais pas, moi. Tu ne sais pas? Hein? Donc finalement, tout ce que Luma était en train de dire n'était que de vérité. S'il te plaît, dis-nous, pourquoi est-ce que tu nous as emmenés ici? Écoutez, il est temps pour moi de quitter ce palais. Pourquoi? Comment tu peux me demander pourquoi? Es-tu en train d'ignorer tout ce qui se passe dans ce palais? C'est soit tu es mordu à mort par le serpent, ou soit il te chasse. Oh, j'en ai marre de vivre en terreur dans ce palais.
c'est soit je m'en vais ou j'abandonne mon poste de servante dans ce palais. Simple. Donc, Oloma, finalement, tout ce que tu étais en train de dire n'était que de vérité. Et c'est quoi cette vérité? Parlons-en un peu. Avant que le prince ne se marie, il n'y avait pas un truc du genre serpent dans ce palais. Il n'y avait pas de serpent qui nous poursuivait. Du genre apparaître et puis disparaître. Hein? Ok. Madame la commère, quelle est cette autre nouvelle que tu nous as apportée aujourd'hui et maintenant? Bien. La nouvelle que j'ai pour vous est que la femme du prince est un serpent. Néné Tcholou, toi te crées des problèmes. Apprends à fermer ta bouche avant de nous causer des troubles. Que vous les vouliez ou pas, avant qu'une épouse se marie, il n'y avait pas de serpent ici au palais. Mais juste après son mariage, le serpent commença à nous poursuivre partout ici dans ce palais. Que vous acceptiez ou pas, la femme du prince est un serpent. Ou qui est serpent parmi vous? Êtes-vous des serpents? Peu importe, ça m'est égal, Ken. Que ce soit le prince ou sa femme, qui soit les serpents, ça m'est égal. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de partir de cet endroit. Je vais partir. Et qu'est-ce que tu attends? Écoute, juste pars. Tu n'as pas besoin de nous le dire. Je m'en irai. D'ailleurs, fais ta valise et pars. Maintenant même. Oui, pars. Et toi, espèce de commère. Qui est le serpent? La femme du prince, c'est elle le serpent. Oloma, tu avais raison, ma chère. L'homme fort et très courageux. Ah, oh. L'homme fort et plus courageux de tous les hommes dans notre village. Ma princesse. Je suis venue pour que tu me fasses ressentir comme une femme. Oui, je t'ai admirée il y a très longtemps. S'il te plaît, fais-moi ressentir comme une femme. Ma princesse, arrête cette connerie. C'est pourquoi tu as quitté ta case pour venir ici? Je t'admire il y a très longtemps. S'il te plaît, fais-moi ressentir comme une femme, je t'en prie. S'il te plaît. Ma princesse, avec tout respect. Si c'est pour ça que tu es venue ici, c'est mieux d'être avec le prince. Je voudrais partir. Ada, à la rivière en train de puiser de l'eau. Mais elle a pourtant une servante. Ada. Bonjour mon prince. Vous étiez en train de parler de moi? Je ne suis pas Ada, je suis Ojuwa. Ah oh. Ça ne serait pas notre Ada? Mon prince, il y a certaines choses que tu dois savoir. Et qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Parce que je ne comprends rien. Mon prince, il y a ce dit-on que l'enfant qui danse la danse de Churugene
dois aussi savoir que la danse de Churugede est la danse des esprits. J'en suis sûr, c'est bien notre Ada, c'est Ada, bon, c'est elle. Nous devons partir maintenant. Je te dis vrai, c'est bien Ada, c'est elle. Ah ah, c'est ma Ada. Comment as-tu pu, toi la princesse héritière de ce royaume, aller à la rivière épuiser de l'eau aujourd'hui? Et c'est une infraction. Tu aurais dû envoyer tes servantes. Mon prince, je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Tu n'es pas allé à la rivière aujourd'hui pour puiser de l'eau? Pourquoi je le ferais pendant que j'ai des servantes? Je ne m'attendais pas à ceci de ta part. Je ne m'attendais pas à ce que tu me mentes ainsi. Je t'ai vu à la rivière aujourd'hui en train de puiser de l'eau. Et tu m'as parlé. Tu m'as même trompé en disant que tu étais au Djungwa. Mon prince, tu ne me crois donc pas? Je n'étais pas parti à la rivière aujourd'hui. Je n'étais pas parti. Ah. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe dans ce palais? Où êtes-vous? Hey. Mon Dieu! Hey. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Loma, qu'est-ce qu'il y a? Encore? Tu ne manques jamais de nouvelles. Ah! Ce palais est en train de disparaître. Vas-y, quoi parle. D'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-nous simplement. Bien, j'ai entendu le prince en train de réprimander sa femme parce qu'il était allé à la rivière puiser de l'eau. Ah! Hein? Oh. C'est pas possible. Mensonge. La femme du prince n'est pas allée à la rivière pour puiser de l'eau. Je suis restée avec elle toute la journée. Écoute, commère royale, tu sais, je n'arrive pas à digérer ta nouvelle. Pas du tout. Parce que c'est totalement absurde. Tu veux nous faire croire que la princesse Ada était partie à la rivière puiser de l'eau, c'est ça? Et pourquoi son nom de servante? Pourquoi elle le ferait pendant qu'il y a des servantes dans ses palais? Dis-moi, pourquoi elle le ferait? Je me demande. C'est ça même que je me demande. Bien, je ne suis pas le prince. Il l'a juste dit et moi j'ai entendu. Il a dit qu'il l'a vue à la rivière et elle s'est présentée à lui pour dire qu'elle s'appelle Ujung. Hein? Ferme-la. Nemeshonigi, ferme-la. La femme du prince n'est pas allée à la rivière aujourd'hui puiser de l'eau. Je t'en prie pour l'amour du ciel, arrête d'écouter quoi que ce soit et arrête de nous raconter des bêtises, s'il te plaît. Or enfin, ce n'est pas de ma faute. Je suis pas le prince. Il l'a dit et moi j'ai écouté. Pourquoi vous me gueulez comme ça? Celle qui refuse n'a qu'à se taire. Parce que si vous parlez... Que feras-tu, Mechonou? Ah ah, Maria, c'est pas de ma faute. Hé, j'ai entendu, fermer tu venais ta vous bouche. Le dire. C'est quoi même? Hé, hey. Tu ne manques jamais à dire. Tu as toujours à dire. Tu es comment? Oh mon Dieu. Tu es vraiment pas possible. Allez, reviens ici, viens me le dire. Maman, je suis vraiment confuse. Il a dit qu'il avait vu quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. C'est vrai. Il y a une fille qui te ressemble et qui est exactement comme toi. Rien ne te différencie d'elle. Son nom, c'est Ujumwa. Ujumwa? Oui. Mais, maman, cela ne veut pas dire qu'on se ressemble comme des gouttes d'eau. Et maman, mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? C'est parce que ça ne valait pas la peine. Que cela ne te dérange pas. Ah. Ok. Maman, je suis vraiment désolée pour ne pas avoir accompli la mission que tu m'avais confiée. J'ai vite compris que c'est Haro qui t'en empêche. Demain, je vais m'en charger de... Et tu ne seras qu'en train de m'observer. Ça sera terrible.
Haro. Depuis que mon père, le roi, t'a emmené dans ce palais en tant que mon garde du corps personnel, je n'ai pas cessé de prendre note de ta susceptibilité à certaines choses. Ton indifférence à tout événement qui a bien pu avoir lieu dans ce palais. Tu ne bouges pas trop. Tu te comportes comme quelqu'un de très étrange. Et la substance que tu as utilisée pour guérir mon père, c'était si merveilleux et incroyable en même temps. Haro, ne peux-tu pas sauver ce royaume de la même manière dont tu as sauvé la vie de mon père? Mon prince, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu connais la cause et la solution déjà. Mais tu sais que mon père ne croit pas à ça. Mais c'est ça la vérité. Tu ne m'as pas encore dit ce que tu veux que je fasse. Bien. Mon père n'a pas cessé d'accuser mon oncle, Ikemba, d'être celui qui se change en serpent pour terroriser ce royaume. Mais cette accusation est contraire à l'accusation que le Ezemo avait racontée. Qui penses-tu peut être responsable de tout ceci? Mon prince, Ezemo n'est pas loin de la vérité. Peux-tu faire quelque chose? Peux-tu tuer le serpent? Je peux, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Mon prince, si je détruis le serpent, tu pleureras et me... Parce que toi et le serpent être liés l'un à l'autre. Pourquoi vais-je pleurer et te frapper en même temps? Alors que tu vas enlever le mal qui est parmi nous. Mon prince, si je te dis la personne qui se transforme en serpent, tu livreras la guerre contre moi, ou même mieux, tu auras ma tête pour le dîner. Non, là tu parles en parabole. Tu peux aller droit au but. Mon prince, le serpent n'est pas loin de nous. Le serpent habite parmi nous. Haro, maintenant, je t'ordonne de me le dire. Mon prince, étant donné que tes oreilles démangent pour la vérité, voici la vérité. T'es-tu une fois posé cette question? Que chaque fois que le serpent apparaît dans le palais, on ne voit ni ta marâtre, la reine, ni ta femme autour du palais? Et qu'est-ce que tu essayes de dire là? Es-tu en train de dire que ma belle-mère ainsi que ma bien-aimée femme, Ada, sont celles qui se changent en serpent? Mon prince, désolé pour te le dire. Tu n'as ni marâtre, ni femme. Ta marâtre, la reine, est Ada. Et Ada, ta marâtre. Alors, ta marâtre, la reine, est le serpent. Tu es fou. Comment oses-tu dire de ta bouche une telle abomination? Et en plus, contre ma belle-mère ainsi que ma femme. Pour cette raison, je te ferai pourrir toute ta vie. Pour avoir dit de tels mots abominables de ta sale bouche.
au palais? Il y a le feu? Dis-nous! Le feu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, dis-nous! Quand vous n'êtes pas capable de voir les feux, j'espère que vous pouvez même sentir qu'il y a les troubles. Arrête de te comporter comme une folle. Commère royale, qu'est-ce qu'il y a? Comme vous ne pouvez pas du tout voir le feu, pouvez-vous quand même voir qu'il y a des problèmes sérieux dans ces palais? Hey! Je ne perçois rien. Dis-nous, c'est quoi? Bien. Haro et le prince ont des problèmes. Ah, Haro et le prince? Vas-y, dis-nous, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux? Haro a dit au prince que Ada, sa femme, et la reine sont des serpents qui me dérangent ici, dans ce palais. Es-tu sûre de ce que tu dis, Oloma? Peut-il être vrai? Je l'ai très bien entendu dire au prince que Ada et la reine, sa belle-mère, et la reine, sa belle-mère, et Ada, en d'autres termes, toutes les deux vivent dans un seul corps. Toutes les deux sont des serpents, je vous jure. Je n'ai pas encore fini de parler. J'étais aussi en train de dire... Aro était aussi en train de dire au prince que... Aro, qu'est-ce qu'elle veut? Mon roi, elle veut balayer votre famille tout entière. Qui est Ada, la femme du prince? Ada est la reine. Et la reine est Ada. Elle existe en deux formes, mon roi. Elle existe en tant qu'une demoiselle et aussi en tant que sa mère. Haro, je m'embrouille ici. Je ne te comprends pas. Hein? Va tout droit au but. Tu es en train de dire que mon fils et moi sommes mariés à une même femme? Vous m'avez bien entendu, mon roi. Hein? Akodia est en mission pour balayer votre famille tout entière. Parce que vous n'avez pas passé le projet de loi que le peuple du Moduroa Gouladour en tant que leur déesse, mon roi. Allô, Melo. Et c'est pourquoi elle veut balayer votre famille tout entière. Allô, Melo. C'est terrible. C'est toujours incroyable, mais je n'ai aucune raison de douter de toi, Haro. Hein? Papa! Serpent! Papa, les serpents! Papa! Qu'est-ce que c'est? Ah, papa, les serpents! Qu'est-ce qu'il y a? Papa, les serpents! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Maman! Il n'y aura pas de paix dans ce royaume jusqu'à ce que tu te plies à la demande de ma mère. Vous ne l'aurez pas. On verra bien. Haro, fais quelque chose! Haro! Haro, qu'est-ce qui se passe? Enfin, la victoire est notre. Ils se sont décidés enfin de me servir. De me servir. Haro, Mokamo,
Mwele Melini Mana, Mwele Mana. Tu as fait du bon travail. Je te remercie. Aaron, c'est fini maintenant. Tu as accompli la tâche que je t'ai assignée. Et il n'y a pas besoin que tu continues à rester. Donc, tu dois partir. Mais je promets de faire des sacrifices pour toi dans 2 saisons. Comme il plaît à mon roi. Ok, moi. Mon alun mogo, mbwele genoumaya. Ara, celui qui fait un bon travail mérite toujours une bonne récompense. Ekenemi. Ekenemi. Je te promets que tu auras bientôt tes sacrifices. Anoumé Kenege, je suis un homme de parole. Anoumé Kenege, Anoumé Kenege. Hein? On ne récompense jamais un bienfaiteur par de l'ingratitude. Dalo. Emetchagi eme. Aro. 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 Odogwanyeme. Votre Majesté et mes chers anciens, nous sommes heureux aujourd'hui que les dieux de nos ancêtres, ont restauré la paix et l'unité dans ces royaumes. Plus de serpents. Plus de problèmes. Pas du tout. Oh oui. Oh, vous savez, je remercie les dieux. Je remercie les dieux. Ils savent comment faire leurs choses. Enfin, c'est fini. Je suis très heureux. J'ai planifié cette rencontre. Vous comprenez ce que je dis? J'ai planifié cette rencontre. Bientôt, la main ira vers la bouche. Oh, il n'y a plus d'attaque. Plus de serpents. Ouais. Votre Majesté, je suis très content de l'apprendre. Parce que ceci mérite d'être célébré. Ça mérite d'être célébré. Igwe, mes respects. Mes respects. Garde! Je pense que tout se met en place. Oui, Votre Majesté. Bien.